Un début de semaine chargé pour les responsables de télévision en ligne au Bénin. Dans la matinée de ce lundi 6 juillet 2020, le bureau du réseau des patrons des Web TV au Bénin était dans les locaux de l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB. Une initiative qu'apprécie à sa juste valeur la présidente en exercice de l'UPMB, Zakiat Latundji. C'est une belle initiative parce qu'aujourd'hui, quand on parle du monde des médias, on ne peut pas ne pas parler du numérique. Donc je voudrais vraiment vous dire félicitations et ensuite du courage. Du courage parce que vous êtes dans un domaine aujourd'hui qui, justement, n'est pas reconnu officiellement, mais que tout le monde exploite d'une manière ou d'une autre. Donc, bien que ce ne soit pas reconnu, on est prêt quand même à recourir à vos prestations dans les différents besoins parce que il faut que l'information passe par là. Une rencontre riche en conseils et orientations et le président du REPA Web TV dévoile ici l'objectif. Ce lundi 6 juillet 2020, nous sommes arrivés pour rencontrer Madame Zakiat Latundji, la présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, pour lui présenter les membres du bureau du REPA Web TV et aussi demander le soutien de l'UPMB par rapport à la reconnaissance légale du REPA Web TV, pour ne pas dire de cette télévision en ligne au Bénin. Madame Zakiat Latundji a exprimé sa satisfaction et en plus elle a pris l'engagement de plaider avec nous auprès de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication pour que cette reconnaissance légale soit une réalité dans un bref délai. Madame Zakiat Latundji a pris également un engagement de collaboration avec le REPA Web TV afin que les promoteurs de Web TV aujourd'hui au Bénin bénéficient des formations. Tout ceci pour appuyer la caution crédibilité de ces médias en ligne aujourd'hui qui quand même font leur petit bonhomme de chemin. Nous lançons un appel à tous ceux-là qui ont encore de la réticence à rejoindre le REPA Web TV. En tant qu'une association, il y a de la place pour tout le monde. L'essentiel, c'est que tous ceux-là qui sont promoteurs de Web TV soient ensemble pour que nous puissions avoir la reconnaissance légale et juridique pour pouvoir défendre les intérêts qui sont les nôtres. Rappelons que l'objectif premier du REPA Web TV Bénin est d'œuvrer pour avoir un grand groupe et tout promoteur de Web TV au Bénin qui reconnaît que toutes les conditions d'adhésion sont remplies peut toujours rejoindre le navire, car comme le dit-on, il n'est jamais trop tard de bien faire.